Bonjour à tout le monde. Bonne arrivée. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour qui se lève. Pendant que nous attendons les frères, nous suivons l'adoration. Quel que soit ton problème, abandonne-toi à ton Créateur.
L'amitié ne commence au cœur éternel, mais en lui ta confiance. Et il agira. Quel que soit ce problème, abandonne-toi à ton Seigneur. Fais-lui confiance. Adore le Seigneur. Laisse le combat. Ablos, Maloga wa inna merazo belos man shabara. Oh Jésus, oh ma désal yanaou abronei. Oh Adonai. Damatawa Anna Baris Tabarus. Je vois Dieu renverser les forteresses dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois Dieu renverser les forteresses dans ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce jour de combat. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Frère, tiens ta bouteille d'eau prête. Garde ta bouteille à côté de toi. Ou bien ta cuvette d'eau. Ça dépend de toi. Ou ton verre d'eau. Quel que soit le lieu où vous me regardez. Partage la vidéo. Invite un maximum de personnes à suivre ce direct. Partage la vidéo, appelle ta famille, dis-leur, envoie-leur le lien de ce direct et dis-leur, quelque chose va se passer ce matin encore. Dieu va écraser nos ennemis ce matin. Avant d'entrer dans la méditation du matin, nous avons beaucoup de témoignages. Hier, nous avons eu plus de 7000 commentaires. Plus de 7000 commentaires. C'est que la main de notre Dieu est capable de faire 7722 commentaires. Ça montre tout simplement l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui suivent. C'est-à-dire que Dieu est en train d'agir. Le service d'eau, de miracle à travers les réseaux sociaux, Facebook, etc. Dieu est en train d'utiliser ce service pour apporter les gens dans leur véritable destinée. C'est-à-dire que les erreurs du diable dans ta vie, le Seigneur les enlève. Prépare ta bouteille d'eau, prépare ta bouteille d'eau. Les habitants de Douala, vous savez que je fais le direct à partir de Douala. Tous les soirs à Douala, nous avons mardi. Nous avons mercredi, ce soir et jeudi. Et puis dimanche, nous reviendrons pour le lavement des pieds. Donc ce soir, ne manque pas. Si depuis le début du programme, tu n'as pas été là, s'il te plaît, prends cette affaire-ci très au sérieux. Et ce vendredi, les habitants de Yaoundé, nous avons une grande nuit des flammes à partir de 21h à la Bire. Ne manque pas. Tu es mon invité personnel. Momi et moi, nous vous attendons nombreux. Donc nous allons lire quelques témoignages de ce que les gens ont vécu. Hein? Et ce que les gens ont vécu, nous avons Christiane Kando, suis au Burkina, je me connecte à cette prière et je crois que mes fibromes disparaîtront au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Christiane Kando, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Voilà, merci prophète pour la puissance de Dieu qui se manifeste dans votre vie et celle de votre ministère. Amen. Là c'est Catherine Bimbe Ndunga qui nous a écrit. Nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons Rosette Chula qui a écrit. Papa, ça c'est l'émission d'hier. Hein. Papa, la douleur que je ressentais dans mon bas-ventre a disparu.
Et j'ai ressenti un vent me secouer. Gloire à Dieu. Nous disons amen. Toi aussi, tu vas recevoir ton miracle. Prépare-toi à recevoir ton miracle. Ça, c'est l'eau de miracle. L'eau de miracle, c'est votre eau. Mais Dieu va le faire. Je lis les témoignages. Regardez, c'est Facebook. Hein. Je lis les témoignages. C'est les gens que nous ne connaissons pas, mais qui suivent l'émission que vous suivez là. Dieu leur a rendu visite. Dieu va visiter ta maison. L'ange de Dieu va vous retrouver où vous êtes. La puissance de Dieu va vous toucher tout à l'heure. L'Esprit de Dieu va arracher dans votre vie tout ce qui n'a pas été planté par mon Dieu. Jésus-Christ l'a dit, on va revenir sur ça. Hein? On va revenir sur ça. Lisons le témoignage pour vous montrer qu'on n'est pas ici pour jouer. Donc tu ne perds pas ta connexion pour rien. Tu ne perds pas tes mégas pour rien. Moi-même, je ne perds pas mes mégas pour rien. Tout sorcier derrière ta vie est dans les problèmes. Toute maladie derrière ta vie est dans les problèmes. Tout hôtel maléfique qui criait contre toi est dans les problèmes. J'ai déclaré hier, dans les maisons, les animaux mystiques vont mourir. Ça, je l'ai dit. Les animaux mystiques vont mourir. Donc, envoyez-nous vos témoignages. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre maison? Donc, on a ici, Seigneur, merci parce que tu as déployé ton armée sauvée. Me sauver moi et ma famille ce jour, au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Papa, merci pour la délivrance de tout à l'heure. Je suis tombé. La puissance de Dieu m'a touché au nom de Jésus-Christ. Là, c'est Karine Abon. Karine Abon. Et s'il vous plaît, il faut nous dire d'où vous nous écrivez pour partager, pour que les gens comprennent que la distance n'est pas une barrière. Donc, Karine Abon dit qu'elle est tombée à la maison chez elle. La main de Dieu et sa puissance l'ont touchée. Oh mon Dieu, ça c'est extraordinaire. Je bénis Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Et on a Félix Biavogui qui écrit, prophète, je sentais la présence des anges partout dans ma maison. Même maintenant, là, merci. Même maintenant, là, merci Seigneur et merci prophète. Voilà, il y a le drapeau. Malheureusement, je ne sais pas de quel pays. Vous voyez, notre frère Félix a été visité par des anges dans sa maison. Les anges l'ont visité. Et j'ai dit hier que les anges vont visiter quelqu'un. Et je le redis encore. Si vous êtes prêt, un ange sera délégué pour votre cas, pour votre situation, pour résoudre votre problème. Donc, il y a tellement, tellement, tellement de témoignages. Mes pieds chauffent, Daddy. Là, c'est Stone Douglas qui nous écrit. Mes pieds chauffent, Daddy. Mon bébé dort déjà. Je lui ai oint. Je l'ai oint aussi. Cette eau et à ma mère. Amen. Oh, je suis libre. Donc, ça veut dire que son bébé ne dormait pas. Elle a utilisé de cette eau qu'on va utiliser tout à l'heure. Et son bébé a reçu son miracle directement en ligne. Amen. Oh, je suis libre. Je reçois mon mariage, mon voyage. Amen. Oh, Daddy, je reçois la guérison de mon fils autiste. Amen. Que votre fils autiste soit guéri par cette eau. Vous allez un peu mettre quelques gouttes, une goutte dans chacune des oreilles. Et la gloire de Dieu va se manifester au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons Marie qui écrit, merci Seigneur Jésus. Après le lavement des pieds, j'ai ressenti une lourdeur et des fourmillements aux pieds. J'ai bu l'eau. Je ressens des piqûres au ventre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans votre ventre. Vous voyez, quand vous buvez de cette eau, tout ce qu'il y a de mauvais dans votre corps, ça doit sortir. C'est ça le but en fait. Ça doit sortir. Tout ce qu'on vous a fait manger, il y a des gens qui mangent dans les rêves. Il y a des gens toute leur vie. C'est les repas nocturnes, c'est les morts qui leur apparaissent. La nuit, on leur fait manger des choses bizarres. Et après, c'est la stérilité. Après cela, c'est le blocage. Après, c'est les kystes, c'est les myomes, c'est les fibromes. Après, on dit que les trompes sont bouchées. Après, c'est l'impuissance sexuelle, etc., etc. C'est pour cela que le Seigneur m'a demandé d'usiter de l'eau, de miracle, cette ointe, pour apporter la délivrance et la restauration dans la vie de tous ceux qui ont besoin de délivrance dans leur vie. Donc, si tu as quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui est dans un cas compliqué, s'il te plaît, partage la vidéo. Ne suis pas seul. Partage la vidéo. Partagez dans vos groupes. Invitez vos amis à être connectés ce matin et la main de Dieu va se manifester. Nous avons Shalom Ella qui dit, j'étais malade tout à l'heure, avant l'acte prophétique. Je me sentais vraiment mal. Mais là, je suis debout. Je me sens bien. La joie est revenue chez moi. Oh, merci Shalom Ella. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de savoir que ce service d'eau de miracle est en train de porter ses fruits, d'apporter la délivrance, la restauration et la guérison au peuple de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons beaucoup d'autres témoignages. Après avoir pris de l'eau ointe, j'ai eu des difficultés respiratoires. Je tremblais au bureau et failli tomber. Là, c'est Margot Fred Manga. C'est un frère qui nous écrit. Au bureau, l'onction l'a saisi. On ne l'a pas touché. Mais en buvant de cette eau, ça dit qu'il y avait quelque chose dans sa poitrine que cette eau a trouvé. Et est en train de guérir, a guéri cette chose-là. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons Lumière Keren
Abouane qui dit, moi pendant que l'eau était dans mes mains, j'ai ressenti une lourdeur atroce sur les mains, comme un marteau. Ça veut dire que Dieu a brisé la chaîne qui retenait vos finances, parce que quand votre main est attachée, tout ce que vous entreprenez échoue. Voilà. Donc je pense que il y a tellement, tellement de témoignages comme ça qu'on peut multiplier. Il y en a 7 000, plus de 7 500 témoignages. Je pense que chacun d'entre nous doit comprendre que cette émission, ce n'est pas une perte de temps. Quel que soit ton problème, la main de Dieu te délivre. La main de Dieu te sort de cette situation. Au nom souverain de Jésus de Nazareth, tu dis Amen, tu envoies les cœurs. Envoie juste les cœurs, tu envoies les cœurs, ça dit Amen, ou bien tu envoies le pouce bleu, ça veut dire Amen. Est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce qu'on peut commencer la guerre? C'est la guerre à la guerre à la guerre. La Bible dit parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je parle comme prophète du Dieu vivant. Toute main qui s'est levée dans ta vie pour parler contre toi, toute personne dans ta famille, dans ton entourage, qui a frappé la main sur sa poitrine en disant, toi, tu ne seras jamais ceci, toi, tu ne te marieras jamais, toi, tu ne t'élèveras jamais. Tant que je vis, tes enfants n'iront nulle part. Je veux voir comment tu vas te marier, je veux voir comment tu seras heureux. La Bible dit que parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek constitue tout ce qui est inimitié à ta vie. Amalek, c'est tout ce qui est opposé à ta vie. Amalek, c'est tout ce qui n'aime pas ton bien. Amalek, c'est tout ce qui médite ta mort, ta chute. Celui qui médite ta chute tombera à ta place, dans le nom souverain de Jésus. J'ai dit, au nom puissant de Jésus de Nazareth, celui qui médite ta chute, celui qui médite ta mort, va mourir à ta place. Ça n'arrivera pas. La main, parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. La Bible dit, Exode 17, verset 16. Exode 17, 16. Nous tous là, chacun de nous a un Amalek dans sa vie. L'Amalek, c'est toute puissance contraire à la prophétie que Dieu t'a donnée. Ça veut dire que Dieu t'a promis de grandes choses, mais tu n'arrives pas à jouir de ces choses-là parce qu'il y a une force derrière ta vie qui t'amène toujours à la dérive, qui attire toujours le malheur dans ta vie, les déceptions, les plaies, les blessures, les contusions. Toute puissance investie par l'ennemi dans ta vie pour t'empêcher d'être la femme que Dieu veut que tu sois, d'être l'homme que Dieu veut que tu sois. Mon ami, dis bye bye à cette puissance. Dis-lui au revoir, c'est fini. Le Seigneur vient de te délivrer. Si tu es connecté à cette émission, ce n'est pas le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. C'est que Dieu a décidé dans sa souveraineté que ta délivrance était aujourd'hui. Oui, ta visitation, c'est maintenant. Cette situation, tu sors de cette situation. La Bible dit, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. De génération en génération. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous le soleil, dessous les cieux. Dieu va effacer la mémoire de nos ennemis de dessous les cieux. Si tu dis Amen, la parole s'est arrivée. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Dieu va effacer la mémoire de nos ennemis de dessous le soleil. C'est une décision divine. Celui qui a décidé d'effacer ta mémoire de dessous le ciel, c'est sa mémoire qui sera effacée par notre Dieu. L'Éternel te venge. Il y a des personnes qui sont en train de me suivre. Vous êtes en train de traverser une situation critique. Tu es dans un problème sérieux. C'est grave. C'est même très, très grave. Écoute la parole de l'Éternel. Parce que la main a été levée contre ta vie. Il y aura guerre de l'Éternel contre cette situation, de génération en génération. Cet Amalek sera renversé. Non seulement Dieu va le renverser, mais le Seigneur dit qu'il va effacer sa mémoire de dessous les cieux. Si tu crois en ça, tu dis Amen, la chose arrive dans ta vie immédiatement. Dis mon Père et mon Dieu. Où tu es, lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Efface la mémoire d'Amalek de dessous les cieux au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il y ait guerre de l'Éternel contre mon ennemi, de génération en génération. Lorsqu'on parle d'Amalek, Amalek c'est quoi? Amalek s'appelle le célibat. Oui, s'appelle le célibat. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous voyez? Le célibat, c'est un esprit. À un certain moment, lorsque vous avez l'âge, lorsque vous avez tous les atouts pour vous marier et que vous ne parvenez pas à vous marier, là, on dit que ce n'est plus le célibat normal parce qu'il y a un certain âge où, d'accord, on s'attend pour mariage parce que
On est encore en train de grandir. Mais il y a aussi un autre âge où on est déjà prêt pour le mariage. On a tout ce qu'il faut pour se marier. Mais cependant, il n'y a pas de mariage. Écoute bien ce que je dis, c'est très important. Alors, écoutez bien ça. Écoutez, parce que ça, c'est quelque chose qui va changer ta vie. Alors, maintenant, il y a dans un hôtel, lorsque quelque chose qui est normal, qui doit arriver normalement, n'arrive plus, ne t'arrive pas, ça dit que ce n'est plus normal. Il y a un hôtel derrière, il y a quelque chose qui retient cette chose-là. Alors, les démons de célibat, le célibat, à un certain moment, devient démon. C'est un démon. C'est-à-dire que le démon prend le relais. Et lorsque tu n'es pas délivré de ce démon, lorsque cet hôtel n'est pas renversé, c'est pas seulement le célibat, c'est un exemple que je prends. Ça peut être dans le domaine financier, on va voir tout ça tout à l'heure. On va revenir parce qu'il faut que tu comprennes bien qui est Amalek avant d'utiliser l'eau contre Amalek ce matin. Parce qu'on va utiliser l'eau contre Amalek, contre tout Amalek dans nos vies et dans nos familles. Alors, le célibat, c'est un hôtel. Le célibat, à certains moments, c'est un esprit, c'est un démon. C'est-à-dire que c'est une force de ténèbres diabolique qui agit pour t'empêcher de connaître le bonheur dans le mariage. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose. Lorsque vous vous rendez compte que le mariage devient un problème pour vous, vous désirez vous marier, vous avez toutes les prérogatives pour vous marier, mais ça n'arrive pas, ça veut dire que Amalek sait que votre mariage sera glorieux. Il sait que votre mariage sera grandiose. Il sait que Dieu tirera sa gloire de votre mariage. Toute bénédiction qui doit arriver normalement dans votre vie, et que vous vous rendez compte que cette bénédiction n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand dans ces situations-là. Je te dis la vérité. Alors, maintenant, lorsque le démon de célibat, si l'autel s'il n'est pas renversé, vous pouvez vous marier. Écoutez bien, c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez vous marier. Tu te maries sans problème. Mais l'autel n'a pas été vaincu. Cet autel est silencieux. Il est calme. Peut-être il était dans un état comateux ou bien c'était évanoui. Quand tu te maries, dans ton mariage, l'autel du célibat se réveille. Il commence à combattre ton mariage de l'intérieur. La finalité, c'est quoi? Le divorce. Tu retournes dans ton état d'ancien célibataire. Tu redeviens célibataire. Donc, c'est dangereux de se marier sans avoir renversé au préalable l'autel du célibat dans votre vie. C'est la même chose pour les finances. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce fait-ci. Ce mystère, c'est un mystère. Hein? Il y a des hôtels qui se taisent. Il y a des hôtels qui, lorsque la prière est forte, écoutez, c'est une révélation que je donne. Lorsque la prière est intense, l'hôtel là sent qu'il est en danger. Alors, il ne parle plus, il ne gesticule plus. Il y a des animaux comme ça. Quand l'animal sent que tu veux le tuer, il fait comme s'il est mort. Il tombe comme s'il est mort. Il y a des hôtels diaboliques qui font ça. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu averti, vous allez penser que l'hôtel est fini, que le problème a été résolu. Maintenant, le démon de pauvreté qui est dans ta vie, qui t'empêche de jouir des opportunités de la vie, de jouir de tes prérogatives, de ta richesse, de ton argent, tu fais le commerce. Les gens font moins que toi, ils sont plus riches que toi. L'erreur là sera rectifiée. Prends ton eau, prépare ton eau. Au nom de Jésus, je te dis la vérité. Je te donne 3 mois après l'usage de cette eau dans tes finances. Le démon qui retenait tes finances, ton argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu peut te donner. Il m'a donné, il va te donner dans le nom puissant de Jésus. Donc, lorsque le démon de pauvreté se rend compte que tu engages certaines prières, comme dans un programme comme celui-ci, alors tu fais le programme 1 jour, tu fais ça 2 jours. Après, tu sens que c'est déjà bon, tes affaires, ça donne. Les gens s'alignent, les clients s'alignent devant ta boutique pour venir acheter. Et toi, tu te dis, ah, ça veut dire que le problème est déjà résolu. Non, l'hôtel là s'est rendu compte que l'émission, c'est grave. Et toi, tu cesses de suivre l'émission. Tu cesses de faire la prière de lavement de pieds. Alors, l'hôtel là attend. Et tu te dis, ah, j'ai réussi, je suis riche maintenant. Et puis, dans l'intérieur de ta richesse, l'hôtel se réveille. Et il combat, il dévore ta richesse de l'intérieur. Hein, et après, tu redeviens pauvre. C'est pour ça que vous verrez que parfois, il y a des gens qui ont eu de grandes opportunités. Ils ont eu l'argent comme ça. Ils ont eu des millions, parfois même des milliards. Après, ils redeviennent plus pauvres qu'avant. Qu'est-ce qu'il a appauvri? Pourquoi d'autres réussissent éternellement? Ça veut dire qu'il est devenu riche avec l'esprit de pauvreté encore dans sa vie. Avec l'hôtel de pauvreté dans sa vie. L'hôtel n'avait pas été détruit. Tout hôtel dans votre vie, c'est la même chose avec la santé. Lorsque tu n'as pas brisé dans ta vie l'hôtel de la maladie, tu peux penser que tu es déjà délivré parce que tu as la santé pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Après ça, bam, il y a une autre maladie qui vient te terrasser. Et là, c'est la mort. La mort réclame ta vie. Donc, il faut te rassurer que les hôtels de ta vie, qu'Amalek est mort. C'est pour ça que Dieu dit qu'il va effacer la mémoire d'Amalek de dessous le soleil. Ça dit quoi? Ça veut dire que Dieu prend des précautions. Amalek est mort. Oui, c'est vrai. Amalek a été enterré. Oui, ça, c'est vrai. Mais il faut effacer par mesure de précaution même sa mémoire, hein. C'est-à-dire que lui-même est effacé, même son souvenir. Dieu dit, il va effacer cela. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on traite avec les hôtels maléfiques. Donc, ne négligez pas
Ne néglige pas. Lorsqu'on fait un service d'eau ointe, comme celui que nous sommes en train de faire, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des combats que vous combattez qui ne sont plus à votre niveau. Dieu veut prendre le relais. C'est ce que j'ai expliqué à l'église hier. Quand vous lisez Exode 14, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? En hébreu, la Bible dit, Yahweh lake wa atem taharitun. L'Éternel combattra pour vous et vous. Allez vous reposer. Donc, ça dit qu'il y a des combats qu'il faut que Dieu prenne dans ta vie. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, ce combat n'est plus ton combat. Dis Amen, s'il te plaît. Oh mon Dieu, dis Amen. Envoie le cœur. Envoie le pouce bleu. C'est ça, Amen, ici, dans l'église aussi. Amen, tu envoies le pouce bleu. La double portion descend sur toi. Tu envoies le cœur. La double portion descend. L'ange te voit. Ou tu as plus le cœur ou bien le pouce bleu. L'ange de Dieu te vigile là-bas au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta situation, quels que soient les défis que tes ennemis t'ont lancés, écoute, je te déclare qu'il y aura guerre de l'Éternel contre cet ennemi de ta vie à partir de ce matin. Et ça sera de génération en génération. Donc Dieu va combattre Amalek, il va détruire Amalek, mais les enfants d'Amalek n'échapperont pas à l'Éternel. Le combat s'y va suivre toute la descendance d'Amalek et Dieu dit de génération en génération. Ça veut dire pendant que je te parle, Dieu est debout pour toi. Tes ennemis ont cru que tu étais orphelin. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc l'ennemi a choisi la mauvaise cible. J'ai dit à quelqu'un un jour, je suis un mauvais ennemi. Je suis un très mauvais ennemi. Je lui ai dit, si tu me cibles pour ennemi, non, tu as commis la plus grave erreur de ta vie. La Bible dit, ne touchez point à mes oins. Ne faites point de mal à mes prophètes. Je veux juste que tu crois. Pardon, crois. Crois que toutes les paroles qui sortent de ma bouche vont s'accomplir dans ta vie. Auront un effet immédiat. La maladie qui était un Amalek. Maintenant, Amalek, c'est qui? Amalek, ça peut être une maladie. Une maladie qui veut ta mort. Une maladie qui veut qu'on t'enterre. Au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu se lève contre cette maladie. Quelle que soit ta maladie, reçois la guérison. Reçois une visitation angélique. Les anges te visitent maintenant. Dans ton bureau, un ange va entrer. Dans ta chambre à coucher, l'ange va venir. Même dans ta voiture, l'ange va venir. Cette maladie quitte ton corps. Cette maladie quitte ton corps. Cette maladie quitte ton corps. Touche l'écran, qui touche l'écran. Cette maladie quitte ton corps. Que ce soit le cancer, crois seulement. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la montagne, dans la mer. Elle vous obéirait. Est-ce que tu crois? Je veux quelqu'un qui est connecté, qui est décidé de sortir de la prison de sa vie. Je veux quelqu'un qui dise, aujourd'hui si le soleil ne se couche pas, que je n'ai vu un miracle de Dieu dans ma vie. C'est ce genre de personne que j'attends. Cette maladie, quel que soit le décret de cette maladie dans ta vie, tu reçois la délivrance. Si vous avez la photo de quelqu'un qui est malade, le Seigneur délivre la personne immédiatement dans le nom puissant et souverain de Jésus. Prends ton nom comme ça. Barika wa anna barus, blema inna baresa wa inna srumi, tolazeta wa anna boras, blake na udali falazeta, noblesa biloi wa ines mari kurum, dosta wa ines prakota, marozen wa inna borami del caso. Salamita udali falish manshari ta udefa. Lakana uzali ouvre la bouteille. L'obre mital ferazi wa inna moraistin. C'est l'heure du miracle. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la délivrance. Tu ne partages pas la vidéo à ton ami ou à tes enfants. C'est que tu n'aimes pas tes enfants. Je te dis la vérité. Tout le monde doit profiter de ce don que Dieu a fait dans cet espace de délivrance et de restauration. C'est l'heure de la guérison. Mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Je prie pour ton peuple, pour tous les hommes, toutes les femmes qui me regardent dans le monde entier. Seigneur, voici cette eau qui est faite de mains d'hommes. Mais je prie que le mystère de l'eau qui a coulé de tes côtes entre dans ces bouteilles. Entre dans ces bouteilles. Entre dans ces bouteilles. Entre dans ces bouteilles. Mets ton verre, mets ton verre. Entre dans ces verres. Entre dans ces récipients maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de l'alliance dans ma vie, la guérison, la restauration, la bénédiction, le mariage, la santé, la longévité, que ces ingrédients qui rendent la vie heureuse entrent dans cette eau, entrent dans cette eau. Seigneur, que cette eau guérisse toutes nos maladies, toutes les maladies de ceux qui me regardent, quiconque est connecté dans le monde entier. Père, que la puissance de ta grâce agisse. Que la puissance de ta grâce agisse. Si vous ressentez les blocages dans votre vie, s'il vous plaît, prenez votre verre rapidement et rejoignez-nous dans cette prière. Tes affaires, ça ne marche pas. Ta vie, ça ne va pas. Ta carrière, dans ta carrière, tu sens que ça ne va pas. Tu crois fermement qu'il y a une main derrière ta vie. Cette main, c'est pour elle que Dieu m'envoie. Elle sera renversée. Elle sera retranchée. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Je coupe cette main.
toute main établie contre ta vie, contre tes enfants, au nom puissant de Jésus, elle est retranchée. Elle est retranchée. Elle est retranchée au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de sorcier, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère ou ta soeur qui était à l'origine de tes souffrances. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. La gloire de Dieu en train d'agir. Seigneur, que cette eau devienne saine dans le monde entier où nos enfants sont connectés. Seigneur, que cette eau opère des miracles inédits dans nos vies maintenant, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Bois un peu de ta bouteille. Pendant que tu bois, tout ce qui était malédiction dans ta vie, dans ton corps, ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Les gens vont ressentir maintenant l'onction de Dieu dans leur maison. Les gens vont tomber. Donc, pardon, vérifie que l'endroit où tu es, il n'y a pas rien qui puisse se blesser. Je veux compter jusqu'à trois. La grâce de Dieu va arriver où vous êtes. La main de Dieu va vous toucher. Et les anges vont être envoyés partout où cette émission est suivie maintenant. Pour délivrer, pour combattre Amalek. Pour chasser les démons. Pour chasser les maladies. Pour chasser les malédictions. Pour transformer les malédictions en bénédictions. Un, au nom puissant de Jésus-Christ. Deux, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde autour de toi. Et s'il n'y a rien pour te blesser. Trois, dans le nom puissant de Jésus. Onction de Dieu agit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Puissance de Dieu guérit. Puissance de Dieu délivre. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. La puissance de Dieu. 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 Je vois la gloire dans la chambre de quelqu'un. La gloire. Je vois une famille par terre. Devant un téléviseur, je vois tout le monde par terre. Je vois l'onction de Dieu renverser toute une famille. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Sois libre, sois libre. Cette maladie sort. Cette maladie sort. Le cancer sort. Le cancer te libère. Le cancer te libère. Le cancer te libère. Le cancer te libère. Le VIH te libère. Les hépatites te libèrent. Toute puissance ténébreuse dans ta vie sort, sort, sort. Sors, 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 au nom de Jésus. Les esprits de stérilité, dans tous les domaines de ta vie, je vois ces démons sortir en courant. Je vois ces démons sortir en courant. Les maris de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit, ce qu'on t'a fait manger, les incantations des sorciers de ton village, j'annule ça par cette eau au nom puissant de Jésus. Tout animal dans ton ventre, les kystes, les myomes, les fibromes dans ton ventre, je vois des miracles, je vous dis la vérité, les gens sont en train de vomir. Écrivez pendant que vous recevez la défense. Dema ina sabreta, wagura mi dalla ferazenwa inamorasta, lobremita italwa inamoros, glepanta uteli karos, mana sukrevi, bremi dalla feros, blemata marozen, wa inamoresta ukali forazo, belamita udena feraza, la chaîne là est brisée, 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 la chaîne là est brisée. Sors de ta prison, sors de cette maladie, sors de cette situation, au nom puissant de Jésus. Tout arbre dans ta vie que la main de mon Dieu n'a pas planté, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie. Ce démon lâche ta vie, ce démon libère tes enfants dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous allons maintenant utiliser l'eau pour les blocages. Tu sens des blocages dans tous les domaines de ta vie et tu crois que comme Jésus-Christ a lavé les pieds des apôtres, toi aussi, tes pieds sont lavés, ça veut dire que la malchance, la limitation, ce qui te faisait pleurer, est lavé hors de ta vie. Prends ton eau comme ça. Tout simplement, tu mets un peu dans ta main, comme le lait de toilette, comme ça, et tu frottes sur tes pieds par obéissance. Au nom de Jésus-Christ, tu laves tes pieds dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous lavons toute maladie, toute limitation. Seigneur, nous lavons les imprécations de nos ennemis. Nous lavons de nos vies, Seigneur, tout ce qui nous a rendus malheureux. Les malédictions de la maison de mon père. Les malédictions de la maison de ma mère. Seigneur, comme je lave mes pieds, je m'en sépare. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Le pied, c'est le symbole du destin. Parce que c'est le pied qui marche. Donc, toutes les malédictions par lesquelles vous êtes passés sont brisées par cette eau de miracle. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ. La malchance dans ta vie sentimentale, la malchance dans tes affaires, la malchance dans ton commerce,
ça vient de te quitter. Dans le nom de Jésus. Tous les dossiers qui étaient retenus. Je vous donne 7 jours. On va t'appeler. 7 jours, on t'appellera. Pour te dire, viens, le dossier a abouti. Tout ce qu'on t'a volé. Que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants. Que ce soit des terrains, des biens matériels. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Touche ta télévision. Ou bien ton téléphone. Père, je proclame que l'esprit de délivrance se répande. L'esprit de délivrance se répand. Toute action de sorcellerie, toute personne qui me regarde, qui a été attachée dans la sorcellerie, qui a été embrigadée dans la sorcellerie, Seigneur, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, que tout ce qui lui a été volé, lui soit rétrocédé maintenant, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je vous dis la vérité. Je vois des chaînes coupées. Je vois des chaînes coupées. Je vois la chaîne de ta vie coupée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois la chaîne libérer ta vie. Je vois la chaîne libérer ta vie. Je vois les chaînes coupées. Je vois les chaînes coupées. Félicitations. Seigneur, merci pour cette délivrance. Bazali wa inamo. Galeta ou demasarita. L'obre mi dalefa wa anna marish. L'otares wa inna brosei. L'otra mita ou daliforosa. Je vois une délivrance puissante dans ta vie. Je vois une délivrance puissante dans ta vie. Oh mon Dieu, je vois une porte ouverte devant ta vie. Ta saison est arrivée. Tes ennemis seront étonnés. 7 jours de miracle. Nous sommes mercredi, jusqu'à mercredi prochain. Vous serez témoin de la main puissante de Dieu qui va te délivrer, qui va te donner des grâces en abondance. Les richesses des nations viennent vers toi à cause de cette eau. Dans le nom de Jésus. Je bois encore un peu. Chacun boit la dimension de ses combats. Seigneur, que la mer rouge se divise et qu'elle engloutisse, qu'elle nous laisse passer, qu'elle engloutisse nos ennemis dans le nom puissant et souverain de Jésus. Envoyez-nous vos commentaires, s'il vous plaît. Envoyez-nous vos commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez bu de cette eau? Envoyez-moi les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Wadistama wa anna baruza balita udali froze. Je vois des délivrances, guérisons. Retournez à l'hôpital, hein. Retournez, vous avez bu de cette eau, vous avez un taux de glycémie élevé, hein? Le diabète, au nom de Jésus, le diabète vient de vous quitter. Si vous avez votre photo, prenez la photo que vous avez ou bien dossier, vous prenez un peu de cette eau, hein, un peu, juste légèrement, comme ça, vous prenez juste un peu comme ça, vous frottez, mettez sur les photos de vos membres de famille maintenant, comme je tends ma main, je frotte ma main, je frotte encore bien, avec cette eau, ouais, cette eau de miracle, et toi tu vas frotter tout simplement, tu mets tes mains, sur le dossier ou bien sur la photo. Père, comme mes mains sont étendues, toutes les personnes sur ces photos reçoivent leur délivrance, reçoivent leur délivrance, reçoivent leur miracle, reçoivent leur guérison, reçoivent une visitation angélique maintenant, 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 dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu est libérée sur cette photo. Cet dossier, je l'ai béni. Cet dossier, je l'ai béni. Cet dossier, je l'ai béni. Tout démon qui retenait ces dossiers, toute malédiction sur tes dossiers, au nom de Jésus, je les brise. Je brise ces malédictions. Je brise ces malédictions dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu peux aller poser ton dossier. Ou si ton dossier était retenu quelque part, on va t'appeler. Et s'il vous plaît, témoignez pour rendre gloire au nom de Jésus-Christ qui est en train de combattre pour son peuple. Je vois des délivrances extraordinaires. Les habitants de Douala, tout à l'heure à 16h, Andogbon, derrière l'immeuble Kamlé, ne reste pas à la maison. Dieu est en train de faire des choses qu'on n'a jamais vues dans notre ministère à Douala ces jours-ci. Et les habitants de Yaoundé, vendredi, ne reste pas à la maison. Viens avec tes enfants pour la grande nuit des flammes à la bire, en Kouaban. Quand tu arrives au Carrefour, Kouaban, prends ta moto, dis qu'on t'amène à la bire. Je te dis la vérité, ça sera dangereux. Et tous ceux qui nous suivent pour la première fois, abonnez-vous. Pendant que nous allons lire les témoignages, écrivez-nous vos témoignages. Écrivez-nous votre délivrance, votre expérience avec le Saint-Esprit. Donne gloire à Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc ton témoignage affirme la victoire qui est dans ta vie que Christ t'a donnée et elle devient perpétuelle. Donc s'il te plaît, écris tout simplement. Écris-nous pour nous dire ce que Dieu t'a fait. Parce que je sais que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de son peuple. Les gens sont en train de vomir. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vomi des objets de leur ventre. Hein? Les gens ont vomi des objets. Des choses sont sorties. Des animaux vont sortir. Des insectes vont sortir. Les maladies, nous sommes déjà à 3000 commentaires. On est à 3000 commentaires. Je vous dis la vérité, sauf si je ne suis pas prophète. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Quiconque partage la vidéo aussi, invite un ami ou partage dans tous ces groupes.
Dieu lui donnera la double portion de ce qu'il va donner à tous. Moi-même, je partage. Hein. Après l'émission, je partage à tout le monde pour prendre aussi la double portion. Quiconque veut mettre mon Dieu à l'épreuve, qu'il le fasse. La double portion vient dans ta vie. Dieu te rend visite. On n'est pas là pour perdre le temps des gens, ni pour perdre notre propre temps. On est là pour changer les vies. On est là pour changer les témoignages des uns et des autres. Ceux qui croient, la main de Dieu les distinguera. Et personne n'empêchera à l'œuvre de Dieu de les distinguer au milieu de leur famille. L'Éternel fait de toi une référence dans ta famille, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. On a les témoignages, on a les témoignages. Et comme j'ai dit hier, c'est la même chose. Hein. On a Roland de Thiémé. J'ai vomi et sauté de la chaise. Vous comprenez? Hein? C'est d'où? Vous écrivez d'où Roland? J'ai vomi et sauté de la chaise. L'onction l'a propulsé de sa chaise. Et elle a vomi tout ce qu'il y avait dans son ventre. Nous bénissons Dieu pour cela. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. On a Laetitia Modiese qui dit, mon corps a chauffé haut, je reçois ma délivrance. C'est-à-dire que dans votre corps, il y a des maladies. Que ce soit la leucémie, que ce soit n'importe quoi. Même si vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir une maladie en vous. Vous-même, vous n'êtes pas au courant. Cette eau va vous purifier. Cette eau va vous épurer. Au nom puissant de Jésus-Christ. On a Mireille Nkolo qui dit, mes pieds démangent. Oh mon Dieu, c'est un signe de délivrance. Ça veut dire que si vous étiez enchaîné dans la sorcellerie, on avait attaché vos pieds pour que vous soyez bloqué, vous sentirez la manifestation de l'onction au niveau des pieds. Si c'est vos mains qui étaient bloquées, vous sentirez la manifestation de l'onction dans vos mains. Si c'était dans votre ventre qu'il y a eu quelque chose d'anormal, vous sentirez l'eau là va aller. Si c'est dans la tête, vous aurez mal à la tête. Si c'est tout le corps, l'onction va toucher tout votre corps. Donc où il y a un problème, cette eau va travailler. Hein? On veut le témoignage. Encore, mes pieds démangent. Là, c'est Mireille Colo. C'est la délivrance au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Reçois la double portion au nom de Jésus. On a Manuel Angounou qui dit, j'ai eu la fraîcheur aux pieds après le lavage de mes pieds. C'est la délivrance, c'est la restauration. C'est un très bon signe. La fraîcheur aux pieds, c'est un bon signe. Ça veut dire que Dieu vient d'ouvrir les opportunités devant vous. Alors, vous allez juste remarquer que désormais, les domaines où vous vous battiez, ah, ça passe facilement. Vous qui travaillez comme un éléphant pour moissonner comme une fourmi, vous allez vous rendre compte que maintenant, ça va. Ouais, quand la délivrance n'est pas là, mais si tu es un bon travailleur, comment? Tu n'auras pas de résultat. C'est ça qu'il y a des gens qui sont frustrés. Tu travailles, tu donnes le meilleur de toi, mais tu ne jouis pas de ton travail. Mais Dieu, à travers ce service, vient te délivrer. Envoie le cœur. Quand tu dis Amen là, c'est le cœur et c'est le pouce bleu. Et Dieu te le fait. Dieu le fait pour toi. On a un miracle de Dieu qui écrit, papa, après avoir bu l'eau, j'ai ressenti des frissons dans tout mon corps. Oui, ça veut dire que Dieu vient de restaurer tout votre corps. Tout ce qui était mauvais dans votre corps vient de sortir. Dans le nom puissant de Jésus. On a Lucienne Bessom qui dit, j'ai reçu une manifestation au niveau de mon ventre. Oui, Lucienne, ça veut dire que dans votre ventre, il y avait un problème. Peut-être que vous ne connaissez pas bien, que vous connaissez. Donc, Dieu vient de vous délivrer et je bénis Dieu pour cette délivrance. Regardez les témoignages que les gens nous envoient à distance. La distance n'est pas une barrière. Si tu as la foi, tu verras aussi ton miracle. Je reçois ma double portion au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen de cela. Alors, il y a Gaël M. Sekinda qui écrit, je me sens très légère, plus légère que jamais, Daddy. Oh, ça c'est bien. C'est-à-dire que Dieu vient d'alléger votre vie. Et tout ce qui était un fardeau, les malédictions qui pesaient sur vous ont été enlevées. C'est ça que l'apôtre Pierre dira. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si vous sentez que vous êtes légère, c'est que le souci est parti. La montagne a été ôtée de devant votre vie. Et je me réjouis pour vous. Ça, c'est extraordinaire. On a Stéphie Kouamo qui écrit, je suis sous l'onction. Merci Jésus-Christ de m'avoir visité. Waouh, donc l'onction est en train de la basculer, de la bousculer où elle est. Je bénis Dieu pour vous, ma fille. Au nom puissant de Jésus, regardez combien il est bon, notre Dieu. Regardez combien il est grand, notre Dieu. C'est ici que vous croyez que Dieu est vivant. Tu ne crois pas en Dieu, tu es un fou. La Bible dit dans Somme 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Regardez les manifestations à travers les réseaux sociaux. Hein, les gens reçoivent des guérisons. Suivez les témoignages. C'est Facebook. Voici ça. Je lis ce qu'on écrit. Hein, ce n'est pas que j'invente. Je lis parce que les gens se pensent qu'on arrange et tout ça. Ça, c'est des personnes que je ne vois pas physiquement, mais qui rendent des témoignages. Et il y a des commentaires. Vous pouvez vérifier vous-même. On a déjà plus de 3000 personnes qui réagissent à cause de la puissance de Dieu dans leur vie. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Les gens ne peuvent pas se connecter comme ça et partager si quelque chose ne se passe pas dans leur vie. Hein? On a, merci papa, ça c'est Tape ta beauté chinoise Ngo. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a des noms compliqués. Merci papa pour ma délivrance. Après avoir bu de l'eau, j'ai vomi et je ressens en ce moment un vent doux sur mes pieds. Ah, Malikawa Annamora. Ma fille, ça veut dire que votre vie était attachée.
Et celui qui a attaché votre vie dans les problèmes. Alors, vous sentez les pieds légers, c'est parce que Dieu a brisé les chaînes qui retardaient encore vos bénédictions. Bravo, bravo, bravo à Jésus-Christ et bravo à vous aussi. Hein. Donc, il y a Mélissa Ongono. J'ai mal à la tête et des vertiges. Mélissa, restez sur place. Laissez le Saint-Esprit agir. Dieu est en train d'utiliser cette eau pour enlever les mauvaises choses qu'on avait mises en vous. Au lieu d'aller chez les marabouts, consulter vos prophètes. Au lieu d'aller dépenser chez les marabouts qui vont même abuser sexuellement de vous. Consultez vos prophètes. Dieu a mis les hommes de Dieu pour vous. Dieu nous a mis pour vous. Dieu nous a recrutés là pour vous. L'eau aussi là, c'est pour vous que Dieu a mis cela. Donc au lieu d'aller chez le marabout, qui va faire des choses pour t'attacher plutôt, prends toi-même ta bouteille, connecte-toi aux hommes de Dieu, connecte-toi à ceux que Dieu a mandaté pour ta libération, à ceux que Dieu a oint, à ceux en qui Dieu a mis quelque chose pour toi, pour ta vie, pour ta bénédiction, pour ta prospérité, pour ton mariage, pour ta guérison, pour ton miracle. Au lieu d'aller chez le marabout, vous avez des prophètes. Peuple de Dieu, confiez-vous en vos prophètes. Confiez-vous en vos prophètes. Merci Seigneur pour ce moment fort dans ta présence ce matin. Ça c'est Mariette Lakoutu Omoko qui nous a écrit. Oh mon Dieu, ça c'est bien, c'est fort. Mariette, c'est très fort. C'est-à-dire vous avez parlé en connaissance de cause. C'est très fort. Il y a une notion puissante. Les fondations de l'enfer sont en train de trembler. Les malédictions ancestrales, millénaires et centenaires sont en train de sortir de nos vies dans le nom puissant de Jésus. On a Annie Bidjoka qui donne ce témoignage. Ma voix ne sortait pas bien. Quand j'ai bu l'eau, ma voix est redevenue normale. Oh, 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 alléluia, oh, alléluia. Ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous voyez, sa voix ne sortait pas. Et là, après avoir fait usage de cette eau, sa voix sort bien. On a Eugénie Mpessé qui dit, mon visage est démange. Oh, mon Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un voile sur votre visage. Alors, l'eau est en train de déchirer ce voile. C'est-à-dire que la malchance, parfois, les sorciers utilisent ça comme un voile. Quand les gens te voient, c'est le joujou qu'on voit. Les gens te rejettent pour rien. Les gens te repoussent pour rien. C'est un voile, c'est un hôtel, c'est un esprit. C'est-à-dire que l'eau ointe est en train de nettoyer. L'eau miracle est en train de déchirer ce voile. D'après ce qui est écrit dans, par le psalmiste. Et c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Vous voyez, c'est un filet que la parole de Dieu, à travers cette eau, est en train de déchirer sur votre visage. Vous voyez, j'ai dit que là où il y a problème, là où l'autel du diable se trouve dans votre vie, c'est là-bas que l'eau là va s'arrêter pour apporter la délivrance au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. On a Nadine Boyomo qui dit, j'ai senti quelques bourdonnements dans mon ventre. Oui, c'est la délivrance. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a fait manger sort au nom puissant de Jésus. On a ta beauté chinoise, mon ventre chauffe à l'intérieur. Laissez l'eau faire son travail dans le nom de Jésus. L'eau est en train de combattre Amalek dans votre ventre. On a l'ambaflore. Mon eau est devenue amère et quand j'ai bu, je me suis senti très faible. C'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est un peu comme les feuilles amères que Dieu a demandé au peuple d'Israël de manger pour sortir de l'Égypte. C'était la délivrance, c'est la restauration. Que Dieu vous bénisse. Il dit, l'eau ne voulait pas descendre dans ma gorge. Ah, mais ça c'est Marinette Flore. Hein? L'eau ne voulait pas descendre dans ma gorge. Oui, parce que votre gorge connaît ce qu'on a mis dedans. Donc, Satan est vaincu, il est fini, il est tombé par terre. Donc, l'eau, vous voyez, la sœur dit que l'eau ne voulait pas entrer dans son ventre. Parce que l'autel qui est dans son ventre ne voulait pas que l'eau arrive jusque-là. Donc, cet autel est renversé dans le nom de Jésus. Tu dis, amen, tu envoies les cœurs et les pouces et ta délivrance est accomplie dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et personne ne te volera ta délivrance. Personne ne volera ta délivrance dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Homme de Dieu, on a du Shelov. L'avoine, homme de Dieu, mes pieds chauffaient toutes les nuits uniquement. Quand je dormais, merci Seigneur pour la délivrance, la fraîcheur sur mes pieds. Vous voyez, toutes les nuits, ses pieds chauffaient. En utilisant de cette eau, ses pieds sont rafraîchis. La gloire de Jésus-Christ est dans cette émission. La gloire de notre Dieu est ici. Et on a Huguette Chang qui écrit, moi également ma soeur. Waouh! Elle rend aussi témoignage qu'elle a la même chose, la même expérience. Après avoir bu de l'eau, saisie par la présence de Dieu. Ça, c'est faveur Matip. Elle a été saisie par la présence de Dieu après avoir bu de son eau. Seigneur, on a Lofline, fille de Dieu. Depuis l'Allemagne, j'ai senti comme des fourmis marcher sous mes pieds. C'est-à-dire qu'il y avait des fourmis dans vos pieds. L'eau aussi est en train de laver cela. Ça, il y a des malédictions. Quand on lance une malédiction sur vos pieds, ça veut dire que vous pouvez aller n'importe où, même au bout du monde. Vous ne serez rien. Parce que c'est les pieds qui marchent. Ces pieds doivent être délivrés dans le règne spirituel. Le monde physique est dominé par le monde spirituel. Si vous n'êtes pas délivré dans le spirituel, dans le physique, vous ne serez pas libre.
Donc, le but de cette tour, c'est de te libérer d'abord dans le spirituel. Maintenant, dans le physique, tu vas sentir que les choses qui ne marchaient pas commencent à fonctionner normalement. Tu ne fournis pas les efforts. Les choses vont bien pour toi. C'est le but de cette émission. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un cas dangereux, qui a un cas désespéré, invitez-le, partagez-lui la vidéo. Même après l'émission, l'onction de Dieu agit. Tous ceux qui sont après l'émission, qui vont écouter, qui vont suivre après l'émission et qui vont poser cet acte prophétique, recevront la délivrance. Et ceux qui partageront à tout leur groupe, à tous leurs amis, recevront la double portion. C'est la parole de l'Éternel. Parce que c'est un moyen d'évangélisation que nous sommes en train d'utiliser. Les gens qui t'ont bloqué ne te reconnaîtront pas. Ils sont dans les trous, je te dis la vérité. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Je sens une onction terrible dans ma vie. C'est fort, c'est trop fort, c'est tellement fort. Le diable est malade, les sorciers sont malades. La Bible dit, celui qui vous touche a touché à la prunelle de ses yeux. À partir d'aujourd'hui, la jalousie de Dieu te revêt. Tu es revêtu de la jalousie de Dieu. Celui qui te touche provoque la jalousie de Dieu dans sa vie. Oh, Bali, Anna, Baros, Malika, je vais encore dire, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre page. Pour partager ces moments, parfois on a des retards dans la diffusion de nos directs à cause des multiples occupations. Vous aurez une notification. Donc abonnez-vous. Soyez fidèles ici. S'il vous plaît, soyez fidèles. L'esprit de fidélité, Dieu le récompense. Il a toujours récompensé dans tous les temps. Donc aimez la page. Il y a un pouce bleu. J'aime la page. S'il vous plaît, avant de partir, c'est le cadeau que vous pouvez nous offrir, mon épouse et moi. Vous abonnez et puis aimez la page. Et quand vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte de vous retrouver demain. Rendez toujours témoignage. Écrivez vos témoignages. Demain, je commencerai par lire les témoignages que qu'on n'a pas pu lire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Habitant de Douala, toi qui me regardes, Dieu m'a envoyé dans ta ville. Je suis dans la ville de Douala. Ne reste pas chez toi. 16h, immeuble Kamlet, derrière l'immeuble Kamlet, l'église Congrégation Baptiste Camerounaise, paroisse Rema. Demandez la paroisse Rema, derrière l'immeuble Kamlet. Tellement Dieu fait des choses puissantes au milieu de nous que notre paroisse est connue de tous. Quand vous demandez seulement, tout le monde vous envoie là-bas. Donc ne manquez pas tout à l'heure à 16h, venez tout pour avoir une bonne place. Et n'oubliez pas les gestes barrières, venez avec votre masque, s'il vous plaît. Et à l'entrée, vos mains seront lavées. Il y a de l'eau avec des solutions hydro. C'est hydro quoi? Hydroalcoolique ou bien hydroélectrique. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Je t'attends demain dès qu'il sera 10h. Prépare ton nom, c'est la guerre. Cette année 2021, c'est ton année. Tu ne peux pas pleurer comme l'année passée. Non, non, non. On ne va pas se moquer de vous comme l'année passée, ni de vos enfants. C'est fini. C'est des services de restauration. Dieu te restaure à la place où tu devrais être. C'est une guerre, hein. Ça, c'est une guerre. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes, avant ta naissance même, avaient maudit ta famille en allant dans la sorcellerie, faire des sacrifices, des offrandes. Tu ne connais pas. On va briser tout cela à travers ces services d'eau de miracle. Et comme tu es fidèle, que Dieu te bénisse. N'oublie pas, avant de partir, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Appuie sur le pouce bleu si tu ne l'as pas encore fait. Et comme tu t'en vas, je bénis ta journée. Sois riche, sois fort et sois meilleur que tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mommy et moi, nous vous aimons tellement. Au nom de Jésus-Christ, shalom.